أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم صلى الله عليه وسلم très chers compatriotes mauritaniens aujourd'hui jeudi 21 septembre très fatigué avec la grande manifestation qu'on a organisée qui n'a jamais eu lieu par les Mauritaniens aux États-Unis unis avec les morts les peuples les souverainetés et l'Europe hier on a chauffé tous les chefs d'État corrompus africains. Je suis vraiment, I am agree with the president of Guinée qui dit on n'est ni pro-français, ni pro-américain, ni pro-chinois, ni pro-tric, tant d'autres. Tout ce qu'on cherche, on veut freedom for Africa et la démocratie par nos propres sources. On ne veut pas laisser que ce corrompu américain, chinois, français et tant d'autres, les occidentaux, viennent piller nos pays. Il y a la démocratie chez eux parce que c'est leur population qui les contrôle, qui vote pour eux. Et chez nous, ils veulent qu'il n'y ait pas de démocratie. On a des chefs d'État corrompus, dictateurs, comme Razouani, comme Macky Sall et tant d'autres. Mes très chers compatriotes mauritaniens, la manifestation d'hier, ça nous a donné que j'ai des larmes aux yeux en voyant 14 000 Mauritaniens qui passent la nuit dans la rue de New York. La Mauritanie, premier producteur de fer, ils ont le cuivre, premier producteur de poisson, ils ont l'argent, ils ont le pétrole avec le gaz qui vont partir avec le Sénégal. Et uniquement les militaires bandits qui passent cet argent-là, avec une opposition corrompue et hypocrite, exception Bala Touré comme Dadakan, Ousmane Lo, Petit Diallo qui est en France, le salut du passage, ou bien Oul Mouloul ou l'Ahmed Dada. Mauritanien, Mauritanienne, il est temps qu'on a qu'à jouer la loi de Kadhafi. La loi de Kadhafi, c'est quoi? C'est de payer les agriculteurs, que nous-mêmes, on crée nos propres oignons, nos sucres, les premiers denrées alimentaires, le riz. Il est temps, les militaires, de créer des entreprises. Vous allez garder ma vidéo, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, Inch'Allah. Les Mauritaniens qui sont là, ils sont fatigués, ils sont punis. Ils ne mangent pas, ils ne dorment pas. Ils vont créer des rébellions en Mauritanie. Ça, ne vous en faites pas. Quelqu'un qui a fait-il le fait souffrir un jour, on a vu le cas de l'Égypte. Mais toujours, c'est Mouloud Morsi, le monime de Kazouani qui est là-bas. Tout nos problèmes, c'est l'imbécile Aziz qui a amené la Mauritanie en arrière. S'il avait laissé Sidi Cheikh Abdallah, tous les problèmes de Mauritanie seront réglés. Il a fait un coup d'État. Il a amené son ami Kazouani. Il est pire que. Avec le jeu de généraux, tels que le général Oul Hanana, le général Mouskharou, ou l'Abdel Jalil, ou je ne sais pas, dit le patron. Mais très chers compatriotes mauritaniens, hier, on a eu un exemple qu'il est temps, la Mauritanie change, des jeunes qui meurent sur la route de Guatemala, au Niagara, au Tchapola, je ne sais pas, la frontière. Et les ressources sont, il faut que soient, les ressources seront bien partagées pour tous les Mauritaniens, comme Kadhafi le fait. En donnant des cartes alimentaires à tous les Mauritaniens. Je donne un exemple, des cartes comme ça, comme gift card, qu'on doit remettre à tous les Mauritaniens chaque mois, $800. Et ça permet la paix en paix. La Mauritanie, ils souffrent. Un exemple, c'est la communauté haratine, que je ne les ai pas rencontrés beaucoup hier à New York. J'ai vu des jeunes qui souffrent, surtout on commence à avoir des problèmes de plus. D'être fou parce qu'ils ne mangent pas une bonne fois, ils ont leur repas dans leur sac à dos. Et ça me fait mal, M. Khazouani. Tu as été hié, tu as été insulté. Macky Sall, c'est tant d'autres. Macky Sall, il va détruire le Sénégal un jour. Avec le patron Vincron, il faut la démocratie, il faut la justice pour tous les citoyens africains. Et vraiment, je salue beaucoup, beaucoup le président guinéen que j'ai rencontré hier où j'ai vu sa vidéo sur YouTube à la 78e. Anniversaire de l'ONU. L'ONU grosse, l'Amérique grosse, France grosse, Turquie grosse, Chine grosse, Russie grosse. Ces gens ne font que piller les pays de l'Afrique. Mais l'Ukraine, l'Américain et les Français, vous avez financé l'Ukraine parce que c'est des blancs. Parce qu'il y a pire en Afrique. Les militaires qui règnent en Égypte qui tirent les populations, les Macky Sall qui tirent les populations, Khazouani qui tirent les populations. Au Mali, c'est les militaires qui règnent. En Guinée, c'est les militaires qui règnent. Pourquoi vous n'allez pas ces pays militaires? Pouvoir militaire est remplacé par les démocraties. Les grandes démocraties, on ne veut pas les anciens ministres ou les fruits des anciens ministres qui ont volé. On a vu le cas du Gabon. Merci, je vous remercie. 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 Je vous remercie.
linki nalutuma kengen ko ona solo ko mama solo ko nyagal fus nyaara ni nyambo daru ngar solo bi wor barake daru jun tam no sari ira khate ni ma sakalo no nyaara man nañ su changer en tenue su nyaa illa du leñ ya tok na mortan un premier producteur nyaare mere amo ko sans compter gaz à le pétrole mortan do nyaa la lo khadafi iga mortan su tukona kha imken be le men su kal dulle ngouté ko enta ngouté lu mu fi lew nga o fatil ko lu mur o gudé mon kaytin khabar est ce khazon hakku khazwani alo general muskharu alo fat est ce ko islamni mo tan do ñu xala fi na de min su ina sir haram su tuka nga carte wagan vidéo en France nga ko France carte ke il doit kin sur 800 dollars wal 1000 euros na mo tan su tuka ken day gandé na ña xamantu ban an ant courat ko jitu xala fi ngeen ke daru président ko mag sayda ma kayda fab khazwani da ma kayda fab Président Guinée avec Tawad Québec. On n'est pas contre la France, ni l'Amérique, ni les Turcs. On veut la démocratie. Nous. On veut les élites. L'Afrique, c'est un continent à 1 milliard de personnes, dont le 70% c'est des jeunes. Donc, on doit créer des emplois pour cette jeunesse. Il ne faut pas qu'ils viennent mourir ici, sous la neige, la galère, aux États-Unis, ou bien aller en France. Si vous ne voulez pas qu'on parte chez vous, vous voulez piller nos ressources, wallah, on va partir chez vous. Si j'étais à la place des Tunisiens, les Libyens, les Marocains, on va ouvrir les frontières comme les Mexicains ont fait et les Colombiens. Laissez nous ressources. Mais l'Ukraine, il a gagné des milliards. Pourtant, le président africain, il a dit qu'il n'y avait pas de pouvoir. Il a dit qu'il n'y avait pas de démocratie. Il a dit qu'il n'y avait pas de démocratie. Il a dit qu'il n'y avait pas de population. Il a dit que les rébellions financières, il a dit qu'il n'y avait pas de attends on veut dire que ça arna ko parce que ko ka tampi sele nga tampi no nga na fa mala anya no egypte no nga mi ma fa ngou diga président militaire ko rondi rom ministre ko mir sukari opposition pandine opposition ko ko ni bala touré um dara kan wala wa ul ahmed da kapay ul mulud wala lo gourma ko no opposition ku tek ci khourouf wala ousmane lo ku tek ci khourouf wala samba cham kiani avec la patrie ko de mena camara sur caramel international président de l'Afrique wa maamana adrokot mo gam manifestation kay organiser fi la def inshallah debe su gado deverne etas gina mortan problème tina ka tin kay la gana ka tin woni ana ki lenya faren ki la ana tampi ndjar o sar adwa wutul mun fuda la gana tampi mbige dem na camara assalamu alaykum.